nous sommes une association étudiante, nous sommes représentants un média étudiant sur Grenoble. Voilà, donc Monsieur Nolot, on vous connaît surtout pour le rôle que vous avez dans l'émission On n'est pas couché, l'émission de Monsieur Laurent Ruquier. Par rapport à votre rôle, est-ce que on vous décrit comme un flingueur à la télévision? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Qu'il y a une erreur sur le vocabulaire. Moi, je suis pas un flingueur, je suis quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Mais ça a l'air d'être tellement rare qu'il faut inventer un autre mot, c'est-à-dire le mot de flingueur. En fait, avec Zemmour, on n'a rien inventé, on a réinventé ce qui était la règle auparavant, c'est-à-dire qu'on, voilà, les gens qui disent ce qu'ils pensent. On se rapproche, oui, des shows télé des années 80 où finalement il y avait plus de liberté à la télévision. Là, enfin, vous ne polissez pas par rapport à vos propos, ce qui est réellement intéressant, ce qui apporte du fond. Et comment est-ce que vous concevez maintenant le monde de l'audiovisuel par rapport à ça, le fait que ça soit trop polissé? Ben, policé, oui, c'est surtout que pendant des années et des années, la culture et la télévision, c'était uniquement de la promotion. Voilà, la critique avait disparu. Voilà, donc on a un peu réintroduit la critique dans des domaines où elle avait disparu. C'était rare de critiquer un album d'un chanteur, par exemple, ou le livre qui avait fait une vedette, elle était là pour qu'on lui serve la soupe, et voilà, c'était comme ça. Donc, comme toutes les choses un peu nouvelles, ça choque au départ, et pour l'instant, c'est perçu. Bon, d'abord, je dois dire que c'est très très bien perçu par le public, hein, en général, qui nous soutient vraiment à 90%. Mais c'est assez mal reçu par le milieu, oui, qui nous, voilà, qui pense qu'on est méchant et d'autres qualificatifs qui, à mon avis, sont ineptes, parce que la méchanceté, c'est une catégorie psychologique, c'est pas une catégorie critique. Moi, je suis pas un méchant, je suis un critique, c'est tout. Oui, donc vous tenez cette qualité faite de critique, du fait que vous écrivez aussi des pamphlets par rapport à ça. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire, comment vous êtes venu finalement à la télévision, c'était par rapport à votre activité en tant qu'éditeur et également en tant qu'écrivain de pamphlets? Oui, moi je suis entré paradoxalement à la télévision par la littérature. J'avais écrit un pamphlet anti-Welbeck, hein, qui s'appelait Au secours, Welbeck revient. Et un jour que je le défendais sur un plateau de télévision, j'ai été repéré par la chaîne Paris Première qui m'a proposé de collaborer à sa balance à Paris, ce que j'ai fait pendant 3 saisons. Là-bas, j'ai travaillé avec Michel Pollack, hein, qui est après allé travailler avec Laurent Ruquier à On n'est pas couché. Et quand Michel a eu des problèmes de santé, Laurent m'a demandé de le remplacer. Voilà ce que je fais maintenant depuis 2 saisons. Des choses que vous faites très bien. Bon, on va pas vous retenir plus longtemps, monsieur Nolot. Passez une bonne soirée en tout cas. Merci beaucoup. Merci.